chers téléspectateurs, il y a quelques jours de cela, Son Excellence Monsieur le Président Wanuski Montana avait annoncé une bonne nouvelle pour la population du monde entier. Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a enfin trouvé le remède contre le coronavirus. Et devinez c'est quoi? C'est le COVID-19. Pour ceux qui ne le savent pas, le Kopto fait partie de la culture culinaire du Niger. Merci. Merci. Ouais. On a eu des résultats assez concluants. Le Kopto, c'est ça, hein? Regardez-moi ça. Oui. On pense à pouvoir guider les gens avec ça. Donc, les Allemands, il faut que vous rendez de la parce qu'on va essayer de partager ça un peu partout dans le monde pour lutter contre cette maladie. Ok, bah c'est pas pour plaisir, hein. On va vous faire ça. On va juste partager ça. Nous avons avec nous le Premier ministre, M. Abaka Sayo. Bonsoir. Et le représentant des Allemands, M. Maïga. Attendez, attendez. Moi, avant qu'on ne commence là-même, tant qu'il va toucher au Kopto, nous, les Allemands, on ne sera pas d'accord. Il se base sur quoi pour dire que le Kopto, c'est un remède? Il se base sur quoi? Les résultats que son quoi, docteur en coptologie, machin, l'a apporté. Non, on connaît son histoire. On connaît son histoire, c'est un badaud qui l'a ramassé de la rue. Il lui donne de l'argent, il vient lui dire n'importe quoi. Non, on ne sera pas d'accord, mais on essaie d'acheter. Et puis, il fait ça exprès. Même la dernière fois, il a fait ça, on se rappelle, les Allemands ont manifesté. Moi, j'ai fait 2 ans de prison. Mais monsieur, vous avez insulté le président, vous vous rappelez, monsieur? Oui, même maintenant. Même maintenant quoi? Non, je le salue. Mais nous, on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Il fait ça pour taquiner les Allemands. On connaît, c'est un peu. Monsieur le président, ces alternatives qu'il avait prises, c'était pour le bon de le développement du pays. Et on a vu les résultats après 3 mois. Et vous, les Allemands, je vous appelle à nous laisser partager ce remède qui est le Kopto avec le monde entier. Je sais que c'est très difficile. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, madame. Attends, donc moi, on ne me dit pas merci quoi? Et puis tout ça, c'est de foutaise. C'est de foutaise, on sait. Il y a des gens qui disent que c'est les gingembre qui guérit le Covid. Il y a des gens qui disent que tout ça, c'est de foutaise. C'est un complot, on sait. Et puis, tout à l'heure même, avant de rentrer ici, j'ai vu un peul qui cherche où comme toi, il y a un élément de garder, il cherche où de te garder, s'il vous plaît. Subhanallah. Un peul, ça c'est le monde à l'envers. Et puis maintenant, si tu pars acheter le compto, il y a une longue file, il faut que tu attendes. Mais s'il vous plaît, il faut nous laisser tranquille. Comme toi, depuis des générations, c'est à nous, et on fait de l'intérêt. Le monde tout en rien. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, madame. Et vu la gravité de la situation, nous avons jugé utile de demander l'avis de certains citoyens et de certains marchands. Mutunda président Wanuski Montana et Magana, Montasi de Sassa Femonte Mune Mokopta Mubufu, Okomoui Reservanci, Tikengida, Ama Mabamasala, Watakeda Koi, Inakaptoza, 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 Kai Abunde Babu Chao, Kulum Babu Kwana Zabarma Sinata, Ui, 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 Ufu magase kaga sambu uwe safari. Iru watu wadi nkanga kaba. Iru sambu iru teta banda. So wakangu wambu da sino. Mati niru teta. Iru hiru sifa. Voilà, vous voyez tout ça, les meubles là, ma partie, tout ça. Je les ai gagnés dans la vente du Kopto. J'ai décidé d'investir dans le Kopto. Et vous avez vu les jardins que je vous ai montré. Donc, ça m'a permis vraiment de construire des maisons de grand standing. Actuellement, je suis le voisin de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Vous savez, nous autres, les Touaregs, nous avons écouté les consignes du président et nous avons jugé utile aussi de goûter le Kopto. Mais vraiment, vraiment, nous avons beaucoup aimé. Nous ne savons pas que le Kopto était si délicieux que ça. On va continuer à manger le Kopto. Et même après le Covid-19, on va continuer à manger ça. Achetez que le Kopto n'a rien à dire. Je ne l'utile à l'agréable. Mesdames et messieurs, on me dit que le président est actuellement en train de faire un direct. Bon, mesdames et messieurs, on a une très mauvaise nouvelle pour vous. Bon, le Kopto là, c'est pas un remède, ça marche pas. Hein. On a testé ça. Je sais, le docteur en coptologie, il faut essayer d'expliquer ça. Explication. Le souci, c'est que le jour-là, je me rappelle très bien, le papier cassé, c'est qu'il a un peu altéré mon jugement.
ce n'est pas de ma faute. Ah, jusqu'à ce moment-là. Bon, calé, abonnez-vous. Si c'est pas qui s'est épousé à ma femme, d'ailleurs, tu as courte calé directement. Regardez-moi ça. Est-ce que tu me dis? Tu as gagné, tu sais ce qui est le dégât que tu as posé maintenant là. C'est pas pour moi, comment je vais pouvoir arranger tout ça là. Allez, comme ça. Regardez-moi ça. Donc, je suis désolé, maintenant. Le copto, ça ne marche pas, les gars. C'est pas de ma faute. Ça ne marche pas, le copto. Juste respecter les mesures édictées par la loi. Maintenant, pour me faire pardonner, je sais que c'est ce que j'ai fait, c'est grave. Comme j'ai déjà stocké 14 tonnes pour moi-même de copto, je vais essayer de distribuer ça aux armements. 3 sacs de copto pour chaque armement, avec accompagnement et une calebasse de pâte d'arachide pour chaque armement. Merci beaucoup. On va vaincre le corona. Bye, my little girl.